là. Hein. Pierre, c'est la fête. Salut la fête. On est venu spécialement vous faire une pour venir vous emmerder. C'est votre fête. Alors la condamnation du 9 février pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie. Ça a pris 600 euros d'amende. Je pense qu'on va bien rigoler. Y'a pas d'enfant? You missed. And they were not all killed, not by a long way. Although the civilization was battered, it still had weapons, ooh, la la. It still had transport, it still had some semblance of organization, but Zemu. Vous avez déjà des esclaves à Clermont-Ferrand ou pas encore? Vous remarquerez qu'il y a chez eux qu'il y a des barreaux pour empêcher les enfants de sortir quand ils sont à l'étage. Ah, pour les gens de se suicider. Une vraie prison. C'est une nouvelle méthode pour empêcher les gens de se défenestrer. Parce que sinon les gens ils se défenestrent. Salut la fête! Ne regardez pas, ça s'en fout. Ah oui, pourquoi? C'est pas nous qui croyons qu'on a des aliens collés au corps. C'est logé 3, madame. Au revoir. Vous aussi. C'est votre petit. On manifeste pas, on fait la fête. C'est une fête, enfin voyons. Tu crois qu'ils sont un peu embêtés, là, tu en veux? Agacé, agacé, je crois que c'est le terme. Ah ben non, fermez pas, il y a peut-être des gens qui vont venir lire. On voudrait se faire auditer. Les enfants, ils viennent pas aujourd'hui. On voudrait se faire auditer. Pourquoi faut fermer? Ah, c'est le grand chef, il a dit. Le grand chef, il a dit, faut fermer la porte. Alors, la 7, on veut pas parler. Le tribunal il vous a vraiment bien condamné. Hein. Ah là, je vous ai le. Hey, alors là, il est terrible, celle-là, regarde. Payez vous... des dettes. Payez vos dettes. Regarde, monsieur. Là, je vous ai dans le reflet avec le mec au fond, derrière. On revient cet après-midi. On a fini. On revient tout à l'heure. Salut. Simon Deschet, journaliste à France Bleu. Monsieur, bonjour. On vient juste d'arriver. Ouais, j'allais vous dire, c'est important. Il y en a 6 ou 7 autres qui arrivent. D'accord, bon, tant mieux. Mais qui sont en train de se mettre leur. Bonjour madame. Mais ça n'a rien à voir. Là, il ne s'agit pas de PTDA, il s'agit du bonjour, fonds d'absence. Bonjour, enchanté. Bien entendu, restons pour ferme toi. Pour escroquerie. C'est joli, hein. Clairement, elle a été condamnée pour escroquerie en bande organisée. Et je peux, évidemment. Puisque j'étais un des témoins principaux. On est à Clermont, là. Non, mais j'étais un des témoins. Clermont, non, mais à Clermont, c'est la même passé. Technique. Et c'est les mêmes baratins qu'ailleurs. Mais non, la scientologie, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des pratiques illicites. Vous êtes masqué, en fait, je suis masqué des risques de représailles. Par exemple, à Paris, j'ai été agressé le 16 mars par des scientologues. Monsieur Jean-François Dréa a eu le nez cassé. Ça m'étonne. Ou alors ils ont dû commencer, parce qu'on est quand même relativement pacifiste. Bon, ça dépend, si vous donnez des injures et des choses comme non, ça. Non, nous, on avait juste dit non aux enfants. Bonjour monsieur, on avait juste dit non aux enfants dans les sectes, hein, vous voyez, c'est pas. Les anciens membres, souvent, ils racontent n'importe quoi parce qu'ils se sont sentis frustrés de. Objectif. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça, donc on aimerait bien avoir la paix si c'était possible, parce que nous, on. On est venu vous dire bonjour aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Salut les gars, comment ça va? Je vais vous laisser faire votre petite manifestation. Merci. Non, c'est pas une manifestation, c'est une fête. C'est une fête. Avec les barreaux là, vous ne sortez pas encore en prison?
Bon, ils n'ont pas encore vu les RPF. Vous pourriez appeler Eric et lui dire de me rendre mon peigne. Ici, ce sont les anonymes. Je vous présente les anonymes. Il y en a même un qui a la tête blindée. Le monsieur s'est fait un masque en Kevlar. On peut le faire quand même, hein. C'est couche de Kevlar, ultra résistant. Hein, c'est toi qui nous mets là-haut, Xenu ? Il y avait de la musique. Est-ce que vous avez vu Xenu ? Il y avait des paroles. Pas l'entendre. Qui a pris la solo ? C'est moi. Il est probable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on estime le nombre total des scientologues actifs entre 30 et 40 000 pour le monde entier. Qu'est-ce qui reste à la scientologie ? Ben, des façades. Et derrière les façades, des gens qui mettent de la musique pour essayer d'empêcher qu'on entende ce qu'est la scientologie, c'est-à-dire une escroquerie en bande organisée. Je lui tire la langue parce que ça va l'amuser. Elle va pouvoir envoyer ça. La dame, elle va pouvoir envoyer ça sur le web en disant, vous avez vu, ils sont très très méchants. Les anonymes et les non-anonymes viennent protester contre la scientologie qui va sauver le monde. Ça fait 62 ans que la scientologie ne va pas sauver le monde, mais que la scientologie est en train d'escroquer son monde. Et la scientologie, à l'heure actuelle, explique que vous êtes non pas tout seul dans votre corps, mais que vous êtes des milliers. Chacun de vous est composé, soi-disant, d'après M. Hubbard, de plusieurs milliers d'individus qu'on appelle des bodies, des temps. On peut appeler ça aussi des âmes de corps ou des esprits de corps. Et alors, quand on est dans les niveaux super secrets de la secte criminelle, eh bien, quand on est dans ces nouveaux super secrets, on apprend à se débarrasser des méchants petits tétans, les tétans de corps. J'appelle la police. Il y a la petite dame, elle appelle, elle espère avoir la police, probablement. Parce que la scientologie essaie de se faire défendre par la police. Mais chose curieuse, là aussi, elle a des problèmes. Parce que comme il leur arrive de boxer les patients qui ne sont pas d'accord avec eux, vous voyez l'idée. Alors, bonjour tout le monde, on vient de Paris, donc j'espère que vous ne dérange pas trop. De toute façon, je m'en fiche. Bonjour à vous. Alors, je voulais savoir si quelqu'un a la diarrhétique ou la matière de pensée sur l'anus. Ah, pardon, excusez-moi. Oula, ma langue a fourché, c'est bizarre, on dirait un lapsus révélateur. Oups. Alors, si vous voulez, je vais vous raconter maintenant le T8. Vous risquez de mourir d'une combustion spontanée d'après votre gourou. Ron Hubbard serait la réincarnation de Bouddha et Jésus un pédophile très très violent. Voilà la grande révélation au T8. Apparemment, les scientologues disent qu'ils peuvent mourir d'une combustion spontanée pour ça. Et pour le T3, ils disent pouvoir mourir d'une pneumonie. Remarquez qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de risques pour la pneumonie, ou alors c'est que personnellement, je suis mal regardé. J'ai dû vous dire bonjour pour vous rappeler de payer vos dettes. Parce que je vous rappelle que le 2 février, vous avez perdu votre procès en appel pour escroquer en monde organisé l'exercice illégal de la pharmacie. C'est pourquoi vous avez été condamné d'ailleurs. 600 000 euros d'amende, ça doit faire mal. Je voudrais donc auditer. Ouais, on peut se faire auditer là dans la cour avec des électromètres, tout ça. Parce que c'est vrai, j'ai pas mal de body tétans, notamment un sur la fesse gauche et une grave beaucoup. Super l'appareil. Vous avez un trépied, ça y est, vous avez plus d'argent qu'à Paris. Vous voyez, vous êtes riche. Hein. Mais ils enregistrent tout. Ce que la plupart des scientologues ignorent, c'est que le fils de L. Ron Hubbard, qui s'appelait Quentin en français, eh bien le fils de L. Ron Hubbard s'est suicidé. Et savez-vous ce qu'a dit à l'époque de la scientologie ? Elle a dit que c'était la CIA qui avait assassiné le fils de L. Ron Hubbard. Ça ? Il a traqué. Ah bah oui. Ouais, je reste un peu.
Reste un peu aussi. Il est où derrière la porte? Il est derrière, hein. J'ai vu, il était derrière, il y avait un petit bout de Saint-Olain qui était passé. Il se planquait. Ah, ça se rate pas les trucs comme ça. Ah ouais, pourquoi vous m'avez tapé en fait? Enfin, vos copains, notamment un certain monsieur L, m'a agressé avec trois de ses copains en face de la secte scientologie de Paris. C'est pas bien de tabasser les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Moi je dis non aux enfants dans les sectes, arrêtez de me tabasser, hein, merde. La dernière fois que vous m'avez tabassé, vous vous êtes retrouvé au tribunal. Ne l'oubliez surtout pas. Et puis le 3 février, le lendemain du jour où vous avez perdu votre procès en appel pour escroquerie en mode organisé, exercice illégal de la pharmacie, des scientologues ont agressé deux passants simplement parce qu'ils nous parlaient. Eh ben dis donc, le respect de la démocratie, le respect du droit de la manifestation, vous avez vraiment l'air de vous en torcher jusqu'au bout. En fait, je vous demande l'autre 8, Ranebat sur la réincarnation de Bouddha. Oui, salut. Alors, on a les ânes clermontois qui arrivent avec la diérétique et la scientologie israélite. Salut, c'est messieurs. Salut. Ça va, ça va? Alors, ils nous ont mis de la musique. À Clearwater, ils ont des grandes enceintes pour mettre du gros bruit là, chez Goldera Productions. Ici, ils ont juste un appareil de marque Philips, apparemment, avec de la musique particulièrement pitoyable. Bon, pour faire plus pitoyable, à part Pokémon et Britney Spears, je vois pas ce que vous pourriez rajouter. Ah, si, Justin Bieber, peut-être. Secte scientologue, non à l'utilisation d'enfants dans les RPS. Oui, au divorce de John Travolta et ses agressions sexuelles. Alors, pour le moment, il est encore présumé innocent, mais il paraîtrait que Monsieur Travolta aime beaucoup, beaucoup les hommes, à tel point que des fois, les hommes ne l'aiment pas, mais lui, il aime beaucoup les hommes. C'est un petit peu embêtant. Alors, on ne sait pas s'il est coupable ou non. Hein. Pour le moment, bien entendu, la justice va faire son boulot et nous ne l'accusons pas. Mais c'est très intéressant de voir. Voilà, en plus, c'est pas une faute d'être homosexuel. Pourquoi est-ce que la scientologie dit prétendre guérir l'homosexualité? C'est pas une tare. C'est pas une tare, l'homosexualité. La tare, c'est de ne pas respecter la loi. Et la scientologie, ça a été prouvé le 2 février, ne respecte pas la loi. Et une organisation qui ne respecte pas la loi en France n'a tout simplement pas raison d'être. Donc, prenez vos bagages et retournez aux États-Unis avec votre ami David Miscavige, qui a apparemment une vingtaine de plaintes au FBI pour avoir tabassé le personnel de son staff. Parce que M. Miscavige, le remplaçant de votre gourou, quand il n'est pas content, il tape son staff. M. Hubbard était donc un drogué et un alcoolique. Et en plus de ça, il était complètement tabagique, c'est-à-dire qu'effectivement, il avait tout pour plaire. Pas étonnant qu'à 74 ans, il ait fini par y passer. Il fallait quand même qu'il soit une force de la nature pour tenir jusqu'à 74 ans, alors qu'il avait trop bu, trop mangé, trop fumé et trop pris de drogue. Extraordinaire! Et pendant ce temps-là, vous avez le Philips qui crie, hein, l'appareil de musique de la Sciento, qui crie pour essayer de ne pas entendre les vérités sur M. L. Ranebat. Je rappelle aimablement à l'individu qui est derrière la fenêtre en train de me filmer avec ma fille, qui est mineure, que le droit à l'image lui impose de me restituer les cassettes. Et que si ce n'est pas fait, je demanderai appel à la police. De toute manière, en scientologie, on est très robotique. Dès que des protestataires viennent en face d'une organisation de scientologie, vous avez deux ou trois vidéos qui apparaissent aux fenêtres et les gens prennent en photo tous les gens qui sont là. Alors moi, évidemment, je m'en fiche un peu parce que comme je suis un chef psychiatre international et même universel, je viens donc dire ce que je pense de la scientologie. La scientologie est une pure folie.
attention à rien de sexuel. Hein. Soyez super prudents. La scientologie, l'escroquerie ont bien organisé, confirmé par le tribunal de Paris le 2 février. Vous avez été condamné à 600 000 euros pour avoir escroqué des gens et pour avoir fait un usage illégal de la pharmacie. Ça s'appelle la scientologie, vous voulez. Vous avez connu. Attention, dans votre quartier, une secte qu'on appelle la scientologie, elle a utilisé les enfants comme des esclaves dans des goulags. La scientologie, ou comment elle veut vous expliquer que si vous avez des problèmes, c'est les âmes d'aliens qui sont collées sur vous. Ils vous vendront cette histoire complètement idiote pour environ 300 000 euros. C'est la scientologie. Vous avez un téton. La scientologie et les body tétons, les âmes d'aliens qui seraient responsables, soi-disant, d'après eux, de tous vos problèmes. 300 000 euros pour cette connerie. Voilà. Ils pensent que leur gourou est la réincarnation de Bouddha. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'ils prennent comme drogue, mais j'en veux pas. La scientologie essaie de vous expliquer que si vous avez des problèmes, c'est qu'il y a des aliens collés à vous. Ils vous vendent cette connerie 300 000 euros. Voilà, et ils disent que leur gourou est la réincarnation de Bouddha. Voilà, la scientologie qui utilise aussi beaucoup les enfants. Hein. C'est pratique pour faire la vaisselle. De 7-8 ans, ils travaillent 12 à 14 heures par jour. Et je vous rappelle qu'on est en 2012 et que ça se passe par exemple en Australie ou aux États-Unis. Hein. C'est pas des pays sous-développés. Hein. Parce qu'en Australie ou aux États-Unis, il faut travailler des enfants. Ils sont pas payés, ils vont pas à l'école. Et s'ils se rebellent, on les envoie dans des goulags. Ils ont aussi des services de renseignement, les OSA, il y a eu un reportage sur Arte il n'y a pas longtemps. Ils ont aussi un corps paramilitaire qui s'appelle la Ciorg. Donc voilà, une soi-disant religion qui est installée dans le quartier et qui a plutôt votre argent. Là, c'est un peu. Vous pouvez prendre l'argent des gens et puis les laisser crever comme des merdes. Après tout, ils ont plus de pognon au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, c'est la scientologie, la fameuse secte criminelle juste à côté. Scientologie qui fait travailler des enfants dans des camps de concentration qu'on appelle les RPF, Red Intelligent Project Force. La scientologie est juste à côté, rue du Nord. Elle prétend pouvoir guérir le cancer et d'autres maladies avec le touch assist qui ça. Je vous explique le touch assist, en fait, il suffit de toucher la personne pour la soigner. La scientologie. L'impression devrait les dégager de la France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis à fond pour vous. On est revenu. De dégager du monde. On est revenus, mes chéris scientologues. Petit bisou. Bisous, bisous, bisous. Allez vous faire auditer. Les maudits tétans, les maudits pasteurs, et tout ça, et tout ça. Rico Roux, je t'aime. Miss Daniel Gougoun aussi, je t'aime. Bon, bah c'est pas grave. Aujourd'hui. C'est pas de bol, hein. Franchement, c'est pas de bol. Et en plus, vous pouvez pas porter plainte parce que la crasse est vegan. Ah oui, 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 c'est quelque chose comme ça, oui, oui, ça arrive. Effectivement, il suffit par exemple d'avoir une sensation dans le corps, et puis, quand on est sur ces niveaux super secrets, qui coûtent fort cher, et bien à ce moment-là, on a l'impression que c'est un petit étang qui vous gratouille, qui vous chatouille, qui vous emmerdouille, etc. Donc, les petits tétans, eh bien, on leur apprend à s'en aller. Voilà, il faut leur apprendre à s'en aller. On leur parle télépathétiquement, c'est pathétique. Je peux vous dire, je l'ai fait, alors c'est pour ça que je trouve ça complètement pathétique de ma part d'être tombé dans cette connerie, quoi. C'est invraisemblable que j'ai pu, j'ai quand même un esprit pathologique habituellement. Ben non, je me suis fait avoir aussi, hein. On connaît tous les procès qu'a perdu la scientologie dans le monde, et il y en a des centaines littéralement. Hein. Rien qu'en Suède, il doit y avoir eu 50 ou 60 procès perdus par la scientologie, alors que la Suède est un petit pays. Alors, vous voyez, un peu le topo. Ah, il y a une main qui apparaît pour essayer de remettre en route l'appareil, mais ils l'ont tellement fait crier que l'appareil ne veut plus marcher. Coucou la main, un petit bisou dessus. Pardon. Bisous, t'aimes. Bisous, bisous, bisous.
l'appareil marche plus. T'as vu sur... Ah, c'est dommage, t'as cramé ton appareil. T'as vu, le body tétan, c'est plus fort que le tien. Je vais te faire auditer. Bon, t'es cerné par le Chianto, merde. Chianto, alors. On va être amusant, ça. On y va, mais... Allons voir. Aujourd'hui, ils n'ont pas laissé certaines statistiques de leur organisation. Non, c'est une backdoor, en fait, c'est une backdoor. Oh non, il y a un paquet de biscuits, oh, des frites. Ah ben, mec. Ah, il y a un petit yop aussi. T'as craché dans ton yop. Ah mais non, ça s'arrête là. Ah, il y a des bières aussi. Hein. Faut croire qu'on est alcoolo quand on est de la scientologie. Hein, pourtant. Non, mais c'est pas dans la poubelle. Hein. Ah, c'est dommage. Pourquoi? D'ailleurs, on a marqué clairement communauté. La scientologie fait pas partie d'une communauté. Hein. Non. La scientologie est une escroquerie en bande organisée. Méfiez-vous de la scientologie. 600 000 euros d'amende. Ça fait 200 000 d'amende. À la scientologie. Quant à M. Hobbard, le gourou de la secte, lui, il a carrément pris 4 ans de prison ferme en France. Et il n'a même pas fait appel. Ceux qui ont payé très cher, eh bien, ils croient qu'ils sont beaucoup dans le même corps. Ils croient qu'en fait, au lieu d'être eux-mêmes, eh bien, ils sont plusieurs milliers. Ils croient réellement, quand ils ont atteint un certain niveau de scientologie, de l'âge de cerveau, hein, eh bien, ils croient qu'ils sont plusieurs milliers à bord. C'est excellent. Je le sais, j'y suis passé. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est ce que M. Hobbard, le fondateur de la scientologie, a écrit. Il a écrit qu'il y aurait plusieurs milliers de tétans de corps dans le corps de chacun de nous. C'est ce qu'il a écrit. Il était évidemment déjà complètement malade lui-même. Hein. C'est un schizophrène fini. Le mec était criminel en plus de ça. Hein. On lui doit quelques centaines de morts dans le monde. Quand on est des enfants, quand on est un enfant, on a besoin d'aller à l'école. Ça va aller ? Ouais. C'est pas récupérer des gamelles, c'est pas faire de la bouffe pour un certain milliardaire qui a quitté la secte, qui est resté que 3 ans, qui leur donnera la possibilité d'avoir un diplôme, qui leur donnera la possibilité de se démerder dans la vie. Salut les chéris ! Bisous sur la fesse gauche de Xenu. Je touche avec lui dans le métro de Paris. Oh là là, qu'est-ce qu'on se met bien, hein. À lui, les petits tétons. Enfin bon. Salut ! Au revoir, au revoir.